Le moe est un mot japonais qui représente à l'origine l'affection qu'on peut ressentir envers un personnage. C'est un terme qui a connu de nombreuses évolutions pour aujourd'hui être considéré comme un genre à part entière d'animé, mettant en scène des personnages mignons et plutôt enfantins. Pour donner quelques exemples, on pourrait citer Keon ou encore Miss Kobayashi's Dragon Maid. Ces personnages moe sont donc devenus au fil du temps l'archétype de la fille au visage juvénile et adorable. C'est pour cette raison que tous les personnages mignons qu'on peut trouver dans les animés récents suivent ce principe. Mais voilà, toujours est-il que tous ces personnages se ressemblent, et franchement, ils sont pas si mignons que ça. On ressent une vraie volonté de vouloir les rendre cute avec leurs grands yeux expressifs, leurs petites mains ou leur façon de parler et d'agir censée rappeler celle de petits enfants. Mais pour être honnête, c'est pas vraiment réussi et le moe n'arrive pas à retransmettre ce côté attachant qui était son but originel. A tel point qu'au fur et à mesure du temps, le genre semble devenir une parodie de lui-même. Et dans toutes ces sociétés où le mignon est codifié à outrance au point qu'on ne peut plus créer de personnages cute sans se conformer à la règle, une petite fille a su s'en éloigner pour mettre tout le monde d'accord par sa mignonnerie et ses tics de langage bien à elle. Et vous l'aurez compris, je parle évidemment de Anya Forger. Waku Waku, Anya Peanuts Gasuki, Chichi et Aa, toutes ces têtes mignonnes comme fourbes, son fameux Waku Waku Punch. Anya est un générateur infini de moments marquants et mignons. Mais pourquoi? Pourquoi ce sont ces répliques qu'on retient et pas celles d'autres personnages mignons? Parce que vu d'ici, elle n'a rien de plus adorable que les personnages moe. Certes, son visage de gros bébou et ses petites mimines la rendent ultra cute, mais ça s'arrête là. Bon, j'arrête de tourner autour du pot, si Anya est si mignonne, c'est dû à sa façon d'être. Dit comme ça, ça peut paraître con, car évidemment que c'est grâce à ça, mais laissez-moi développer. Quand on veut créer un personnage mignon, on a deux choix. Soit on s'inspire d'animaux, comme un chien ou un petit panda roux, aka le meilleur animal du monde, soit on s'inspire d'un jeune enfant. Pour la plupart, on va plutôt opter pour le deuxième choix. Donc l'important va être, logique, de transcrire toutes leurs manières qui les font être si adorables, comme par exemple leur sourire ou leur manière d'être gentil. Mais faire ça, c'est oublier ce qui fait que les enfants sont si choux. Car avant d'être gentil, un enfant est surtout bête tout en étant giga confiant. Il est extrêmement honnête, mais capable de faire de son monde imaginaire une réalité. Il est arrogant tout en étant incapable de la moindre haine. Il s'en fiche du regard des autres, mais est fragile à la moindre critique. Un enfant, c'est un être plein de contradictions qui n'entre paradoxalement pas en opposition. Et c'est ça qui fait qu'ils sont si mignons. Certes, c'est quand il va se mettre à agir comme un petit ange qu'il va être à son apogée. Mais sans tous les moments où il est juste un humain, ça ne vaut rien. Ainsi, les gens qui ont développé le moe se sont perdus dans leur propre idéal. Ils voulaient créer un personnage attachant qui serait la représentation de ce qu'ils s'imaginent comme la mignonnerie absolue, mais ont fini par développer une sorte d'homoncule qui se contente des moments angéliques sans le côté humain, ce qui en fait des personnages d'une platitude sans nom. Au final, Anya est ce que le moe voulait être, mais n'a pas réussi à être, c'est-à-dire un personnage réaliste d'enfant qu'on voudrait protéger. Et je peux vous dire que si on me demande ce que je trouve le plus mignon entre l'intégralité des moments de Nezuko et de Rem réunis et cette unique scène de Anya qui monte comme un galérien dans ce bus, je n'hésiterai pas une seule seconde. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, et si c'est le cas, n'hésitez pas à transmettre votre avis par le sondage qui se trouve dans l'onglet communauté de la chaîne. Et sinon, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage et commentaire. Et sur ce, à plus !